Bienvenue. Comment ça va? Bien. Allô, coucou. Saint-Paul-d'Abbotsford. Wow. Les Laurentides, Lévis. Hey, du monde partout, c'est le fun. Fait qu'asseyez-vous confortablement. Prenez une grande respiration ici. Et expirez toute la première partie de la journée. On arrive à 9, inspire. Une autre fois. Et on va commencer par 3 om ensemble. Fermez juste un instant et juste observez ce qui se passe dans votre corps en ce moment. Comment vous vous sentez? Est-ce que il y a beaucoup d'émotions? Est-ce que c'est calme? Est-ce que c'est agité? Est-ce que c'est ancré? Ou vous sentez que vous n'avez pas les deux pieds par terre? Peut-être que ça peut aider justement de mettre les pieds au sol. Et j'avais envie de parler, de chanter l'autocritique aujourd'hui parce qu'on est les meilleurs là-dedans pour être nos pires ennemis parfois, pour se répéter des choses incongrues qu'on finit par croire. Donc le mantra qu'on va chanter ce midi, c'est Om Tare Tutare. Ture Soa. Mais avant, il y a une partie qui est Om Taretam Soha. Om Taretam Soha. Et let me be me. Laissez-moi être simplement moi. Et parce que les mantras, c'est un outil pour l'esprit, ça veut littéralement dire ça. Et parce qu'on a des virus dans notre système, des virus informatiques dans notre cerveau, et on veut juste refaire un pattern inverse de toutes les choses négatives de ce qu'on se dit. Pour revenir à soi, pour revenir à la source, à qui on est vraiment. Taretam soha, Om Taretam soha, Om Taretam soha, Om Taretam soha, let me be me, let me be. Let me be me.
Mais parce que la voix est une partie sensible, ultra sensible de nous. Et parce qu'on s'auto-juge facilement. Qu'est-ce que ça prendrait pour se laisser aimer notre propre voix? Et se laisser la chance d'ouvrir cette partie de nous. De se laisser la chance d'essayer de s'exprimer. Même si c'est rauque au début, même si ça sort croche. Et on s'autocritique depuis des années. Et ça n'a pas fonctionné. Ce principe-là n'a pas fonctionné. C'est maintenant le temps d'abroger, de relâcher, de faire quelque chose de nouveau. On ne peut pas régler le même problème avec lequel on a trouvé. On ne peut pas régler le problème avec la solution avec laquelle on a trouvé le problème. Alors, chantons ensemble. Tare tu tare ture soa 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 Tu tare, tu re so am.
Libérer de la souffrance, de toutes les patterns négatifs, les pensées négatives qui trottent dans ma tête et qu'on finit par croire parce que c'est tellement ancré et profond. Et ce mantra nous délivre de la souffrance. Nous apprenons à nous abandonner de ce qui nous retient de la liberté. Et la liberté, elle ne nous sera jamais donnée. C'est quelque chose qu'on réclame haut et fort. C'est un travail de tous les jours. Et elle n'arrivera pas par elle-même. Et si c'était plus léger, beaucoup moins lourd à porter. Et si je pouvais juste être moi, juste être moi. Et si c'était plus facile. Imaginez devant vous la personne qui vous aime le plus au monde, qui vous apporte une couverture lumineuse. Et imaginez cette personne marcher devant vous et mettre la couverture sur vos épaules. Et quand la couverture est sur vous, comme si vous veniez de perdre 10 tonnes.
une douce lumière émane de vous. Et avec la chaleur, et avec cette reconnexion, encore plus de lumière qui émane de vous. C'est rendu à un pied autour de vous et sentez la brillance. Et sentez à quel point ça éveille un sentiment de calme, de quiétude. Et plus vous devenez calme, plus la lumière émane. Plus elle grandit. Jusqu'à faire 1 mètre autour de vous. Et c'est le champ énergétique que l'on a. Quand on est centré, quand on est reconnecté à nous. Est-ce que vous sentez les vibrations de la musique dans votre corps? Et parce qu'on porte toujours notre attention là où ça ne va pas, mettez votre attention là où vous vous sentez complètement bien. Ça peut être un bras, au niveau du troisième œil, entre les deux sourcils. Choisissez un endroit dans votre corps qui est libre, totalement libre. Et en entraînant notre cerveau à aller voir ce qui va et non ce qui ne va pas, tranquillement, on délaisse notre jugement, la négativité. Et ça nous laisse revenir à nous.
Garder les yeux fermés ou fermer les yeux s'ils étaient ouverts. Et puis continuez de répéter le mantra dans votre tête comme un outil. Donc à chaque fois que vous inspirez, vous pouvez dire Om Tare. Et à l'expire, Tutare Ture Soa. Vous pouvez simplement dire Ture à l'inspire et Soha à l'expire. Ture à l'inspire et Soha à l'expire. Et revenez au souffle. Sentez votre ventre qui gonfle à l'inspire, qui revient au neutre à l'expire. Touré à l'inspire. Soha à l'expire et soha comme si vous donniez ce que vous aviez plus besoin. Et c'est un mantra de compassion. Comme si on voulait dire à cette partie de nous qu'on la voyait maintenant, qu'on la voulait plus comme une ennemie. Mais quelque chose de qui on peut apprendre. Et souvent, les jugements, les critiques, l'autocritique est là pour nous montrer exactement là où il y a un cadeau. Qu'est-ce que ça cache? Qu'est-ce que notre ego peut nous empêcher de voir pour briller? C'est quoi cette peur, ce mécanisme de défense pour nous empêcher de faire un pas vers l'avant? Par peur de perdre la face. Et on va terminer par trois om ensemble. Un peu comme si on venait de sceller ce qu'on avait fait. Pour plus que ça revienne comme avant, parce qu'on a pris un peu d'expansion. Comme si on avait mis un nouveau point de départ. Namasté. Merci. Merci vraiment de prendre ce temps-là pour vous. Moi, ça me fait du bien. Puis de ce qu'on co-crée ensemble aussi, c'est extraordinaire parce que
C'est l'énergie qui est dégagée, même si on est loin, même si on n'est pas au même endroit. C'est comme, ça nous amène dans un espace autre, qui justement n'est pas collé sur tout ce qui se passe à l'extérieur. Et Dieu sait que c'est la folie. Mais ici, il n'y a personne qui peut nous enlever ça. Puis c'est un choix. C'est de revenir constamment. C'est comme à chaque fois que ma tête a part ou à chaque fois que ma tête s'en va dans les mauvaises choses, c'est comme, ah ben, coquine, reviens. T'étais partie, mais oui, j'étais partie. Fait que si vous voulez partager ou... Mais vous pouvez ouvrir le micro, mais sinon, on va se voir la semaine prochaine. Puis merci d'être là. Merci. Merci à toi, Myriam. Merci, Eva. C'est le fun. Ça fait vraiment bien. Ah, oui, toi aussi, t'as l'air bien. C'est exactement ce dont j'avais besoin. C'est vrai. Ouais. Génial. Ouais. Des fois, il se passe bien des affaires, puis on n'a comme pas de contrôle, puis là, t'es comme OK. Mais merci. Merci. Merci tout le monde. Merci, Myriam. Tout le monde, puis j'ai envoyé le lien pour s'inscrire pour la semaine prochaine. Puis sûrement que le portail, lui, va s'ouvrir dans 2 semaines pour vrai avec du yoga puis des méditations et tout ça. Donc, ça s'en vient bientôt. Bientôt, dites-le à vos amis pour qu'ils viennent. Merci. Merci, Myriam. Merci. Bye, à tout. Bye.